Salut à tous, c'est Matterfis 37. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de ce que j'effectue en an comme achat. Donc, principalement, vous le voyez sur où je suis assis, c'est mon nouveau bed chair, donc le Morphose de chez Caperlan. Donc, c'est le plus gros de la gamme qui a 180 euros avec un matelas mémoire de forme. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a deux matelas. On a un matelas face hiver et si on le retourne, on va voir le matelas face été. Donc là, on voit les petits pictogrammes, le soleil donc pour l'été et le flocon de neige pour l'hiver. On a la même chose pour l'oreiller. Donc ici face hiver avec une sorte de polaire et en face été, donc beaucoup plus doux. Donc après c'est un 8 pieds, on peut le mettre en position assise comme une position allongée. On peut régler les pieds en appuyant, hop, comme ça pour une meilleure stabilité. Après on a une petite poche par là où on peut par exemple mettre des livres ou notre centrale ou notre portable. Donc je vais l'utiliser dans 2 semaines, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, où je vais faire un 24 heures dans les temps privés. Donc c'est à peu près tout pour le bed chair. Et donc après j'ai acheté des nouveaux beepers, donc les MAD HIT Alarm. On les avait remarqués au salon de la pêche à Châteauroux il y a quelques années. Et la dernière fois, je me suis dit, je les avais vus et pourquoi ne pas me faire plaisir. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc c'est 4 beepers, une centrale. Je les ai touchés à 259 euros chez notre magasin qui est à Possé, qui s'appelle Vergent, qui pratique des très bons prix, qui sont super sympas. Donc je vais vous présenter. Donc là. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont vendus directement comme ça. Et après, si on veut, on peut rajouter des snack bars qui sont directement intégrés, qui vont être ici. Voilà. Donc on a juste à dévisser les petits capuchons. Hop. Et après, on les fixe. C'est pas. Hop. Hop. Ils sont très vite fixés. Donc, pour les allumer, c'est très simple. C'est en dessous. On a un petit loquet on-off. Donc là, je vais l'allumer. Voilà, donc là, c'est allumé. On a deux petits boutons sur le côté. Donc le L, c'est la lumière pour les dépôts en nuit. Donc on va avoir une petite LED rouge, par exemple si on part en bateau ou quelque chose comme ça. Donc ce qui est bien avec la lumière rouge, c'est qu'elle éclaire mais ne se voit pas dans la nuit ni dans l'eau. Enfin elle se voit genre à l'œil humain mais genre à l'œil des poissons ça ne se voit pas. Donc voilà, on l'éteint en appuyant tout simplement sur le bouton. Donc après ça va être une fonctionnalité avec la centrale. Donc là, hop, je prends un petit morceau de tresse. Là j'ai un appuyé donc ça va être normal. Donc voilà, on a une petite diode qui fonctionne avec le bruit aussi. Et quand on touche retour, la lumière blanche s'allume ici. Et c'est un bruit différent. Donc après, on appuie. Donc après ici, normalement ça va être juste les lumières, juste les diodes quand on a une touche. Et après, si on rappuie, donc ça va avoir deux bips. Et là, si on allume la centrale, voilà. Normalement, ça devrait sonner sur la centrale et aucun bruit sur le beeper, ni une lumière. Voilà. Donc là, c'est directement. Si j'allume le bruit, ce serait mieux. Donc voilà. Là, ça va être la fonctionnalité fantôme où il n'y aura aucune diode, aucun bruit. Donc là, ça va être directement mis sur la centrale. Et donc la touche retour aussi. Hop. Voilà, c'était le rouge.
Là, on a le vert. Ici, on a le bleu et le jaune. Donc après, sur la centrale, ça va être avoir la fonctionnalité normale. Et après, on a la fonctionnalité vibreur. Je sais pas si vous allez entendre, mais quand, par exemple, on va couper le bruit du beeper pour entendre. Voilà, donc hop, clac, voilà, donc ça vibre. Et après, pour si vous venez juste de l'acheter ou pour dissocier les beepers, vous appuyez longuement avec une sorte de petite aiguille ou une sorte de cure-dent. Vous appuyez sur dans la fente S, il y a un petit bouton noir. Et si on appuie longuement, il y aura une bande, toutes les LED vont s'allumer. Et là, tous les beepers seront dissociés. Donc après, il faudra juste appuyer en continu et trouver la fréquence avec le beeper souhaité. Donc voilà, c'est les MAD HIT Alarm et puis on souhaite une bonne journée.